Hey, salut tout le monde, c'est Marquant. Et aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo CSGO, tout simplement. Et donc là, on va faire un Overwatch. Donc, je l'ai déjà téléchargé. Un Overwatch, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui s'est fait report plusieurs fois par plusieurs personnes différentes. Et donc, on va juger s'il est coupable de tricher ou non, tout simplement. Donc, on se retrouve une fois que le Overwatch est lancé. Donc voilà, nous avons notre suspect. Les terroristes gagnent 9 à 5. Et il est en antiterroriste. Pour l'instant, le suspect a une P90 et va en short, alors que les ennemis sont en longue. Oh, ça sent le body jumping, ça! Je peux pas savoir, l'ennemi déjà marchait, enfin courait carrément et ne marchait pas, donc il y avait du bruit. Je dirais pas qu'il y a une aide à la visée. Pour l'instant, en tout cas. Par contre, pour le body jumping, j'ai un doute. J'ai aussi un doute pour le petit Wallach. Hein, je me taisais parce que je voulais vraiment écouter, voir si. Si c'était possible qu'il entende les pas ou pas. Et là, je m'aperçois que c'était plus que faisable en fait. Par contre, se retourner comme ça d'un coup, c'est louche, hein. Ça sent le Wallach. Ça sent le Wallach quand même, ça. Le Wallach et le budget jumping. Donc voilà, je pense qu'on a accès à un petit cheater. Oui, donc oui, on voit bien le body jumping là. Mais ouais, je pense à un Wallach, personnellement. Je pense pas à une IM, parce qu'une IM, ça serait vraiment, vraiment, vraiment trop gros. Mais non, non, là, déjà sûr, il y a le body jumping. Et potentiellement une aimbot, enfin potentiellement une Wallach. Ouais, c'est exactement ça. Donc là, on a affaire à un petit cheater hein, assez insignifiant en game, mais qui va quand même abuser tout simplement. Donc là, on a la Wallach qui est quasiment sûr, ainsi que le body jumping. Le body jumping, c'est un logiciel qui lui permet de faire des sauts comme on voyait tout à l'heure. Non, là il avait bien pris les lignes pour mettre des têtes. De nouveau du body jumping. Il se met au mid. Il revient dans le tunnel. Oh oui, il savait qu'il était là. Body jumping. Là son aile est attirée. Et son allié a tué. Ah, ITK, donc mauvais comportement aussi. C'est bien à savoir. Encore avec son body jumping. Donc voilà, il se fait tuer, on va attendre que la game se finisse. Voilà, impeccable, avance rapide. Il a pris la WAP. Joli tir. Donc là, on voit tous les ennemis hein, sur la map hein, qui se trouvent en haut à gauche, hein, tout simplement. Comme ça, on sait où se trouvent vraiment tous les ennemis. Comme ça, on a une vision globale du jeu en fait. Ouais, il se retourne, c'était louche. Donc, il a pas d'aimbot en fait qui permet de tirer sur l'ennemi. Par contre, il a bien un Wallach, ça c'est sûr. Et il a un body jumping ainsi qu'un mauvais comportement.
Donc pour moi, mon verdict est déjà rendu, hein, on a accès à un petit cheater, disons. Mais un cheater quand même. Il a voulu faire un mariole, il s'est fait tuer, tant mieux. Encore du body jumping. Donc voilà, le suspect a l'air de galérer littéralement avec son scout, hein. Les deux ennemis sont en short, encore du body jumping. La flash. Il sait que les deux ennemis sont en short. Il arrive derrière eux. Et voilà. Donc pour moi, pour l'aide à la vision, je n'ai pas suffisamment de preuves. Enfin, pour l'aide à la visée, je veux dire, je n'ai pas suffisamment de preuves. Pour l'aide à vision, par contre, pour moi, les preuves sont irréfutables. Pour le loser d'externe, c'était le body jumping depuis tout à l'heure. Et mauvais comportement, il faisait des dégâts sur ses oeillets. Pour moi, le verdict est irrévocable. Donc voilà. Fin de la vidéo. Pouce bleu si vous avez aimé. Pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. C'était Marquant. Allez, bye bye!